Le président Erdogan, accueilli en leader incontesté au Parlement turc. Il faut dire que son parti, l'AKP, détient la majorité absolue des sièges. Faire front derrière un chef qui, plus que jamais, tient la barre seul, à la tête d'un pays en état d'urgence suite au coup avorté. Un coup dont il accuse Fethullah Gulen, exilé aux États-Unis. Erdogan demande son extradition. Nous montrerons au monde les vidéos de cet incident via notre ministère des Affaires étrangères. Nous enverrons des vidéos et des photos des attaques dans différents endroits. Après les avoir vues, j'espère qu'ils arrêteront d'appeler le gouvernement et le président qui a été élu par le peuple un dictateur. La purge s'intensifie pourtant en Turquie. C'est tout l'appareil d'État qui est touché, armés, magistrats, enseignants, même la garde présidentielle. 283 militaires de ce corps d'élite ont été mis aux arrêts. 10 000 personnes seraient désormais détenues, tout corps de fonctionnaires confondus. Une manifestation massive de soutien au président aura lieu dimanche.